Voilà, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci Christelle d'être à nouveau avec moi. Bonsoir. On dirait Yves Mourosi et Marie-Laure Gris, sans déconner. Mais sauf qu'on ne présente pas les informations, c'est un peu plus riche quand même. On va parler littérature ce soir avec Olivier Clerc, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Didier, bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde. C'est chouette de se retrouver parce qu'on a déjà fait quelques fois des trucs ensemble comme ça. Oui, et puis ça va continuer. On va te retrouver plus tard. Il y a d'autres dates qui sont prévues. On le verra. Au mois de mai, notamment avec. Le cinquième accord Toltec. Voilà, hein, qu'on retrouve d'ailleurs là. On va le voir ici. Attends. Et puis là, tac. Oh. Oui. Là, ça fait un peu Miss Météo qui cherche un peu la carte. Oui, je suis désolée, je suis pas encore. Non, mais c'est bien. Tu t'en sors très bien parce que moi, j'aurais pas trouvé du premier coup comme ça. Je tâte. Donc, ça se passe bien. On a derrière. Alors, j'adore en fait ce fond parce que c'est très doucement et c'est de l'encre fluide, en tout cas. Donc, quoi de mieux que de présenter cette encre pour l'écriture. Donc, c'est de bon aloi, je pense. Et on va vous présenter donc le site d'Olivier Clerc. On en reparlera aussi avec les cercles du pardon, avec tout ce qui se passe autour. C'est un auteur, conférencier, parolier, interprète, chanteur, acteur, danseur. On verra tout ça. C'est un peu exagéré, mais presque. Vous verrez qu'on en est passé. Mais pas beaucoup, pas beaucoup. Il y a juste danseur entre autres. Entre autres. Et vous avez un site spécifique sur le livre que Christelle va chroniquer ce soir, Magicien du quotidien. Et magicien, on verra pourquoi au pluriel. Est-ce que ça fait référence au fait qu'on est magicien, notre magie intérieure? Est-ce qu'on l'est tous? Est-ce que c'est au pluriel? Pourquoi les magiciens? On n'a pas été mis l'article. On va demander tout ça, en tout cas, à Olivier Clerc. En tout cas, c'est Christelle qui a lu le livre, pas moi. Moi, je le découvre en même temps que vous. Vous connaissez la règle. Je suis le dandy de l'histoire, je pose des questions. Il en aveugle. Bien en plus. Voilà, là, c'est fabuleux. On voit, en fait, cet aspect doré, et surtout, au toucher, on sent le relief. Enfin, il y a quelque chose, voilà, le livre est aussi beau que le contenu. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été voulu. Donc, merci pour l'intention, merci à l'éditeur, surtout, et à Olivier Clerc pour cette originalité. Beaucoup d'actualités. T'as vu, Didier, qu'on te recommande d'être sage avec Christelle ce soir. Ça veut dire que tu l'es pas d'habitude, hein. Ah oui, c'est sur vrai. Le chat. C'est vrai, pourquoi pas. Non, je vais être tranquille. Ça changerait. Je vais m'effacer face à la libraire. Ah non, tu vas pas t'effacer. Pas trop. Je vais poser mes questions, mais c'est surtout toi qui a lu le livre et qui a même d'en tirer la quintessence justement du contenu, puisque tu le découvres, et moi, je n'ai aucune idée, tu vois. Donc, je vais découvrir, comme le public, qui n'a peut-être pas encore en main, en tout cas, il est disponible dans toutes les bonnes librairies, et déjà, même pour nous, on rupture le stock. Tout à fait. Fou, hein, quand même, hein. Mais on l'a quand même sur le site, et vous pouvez être prévenu. Voilà, vous pouvez évidemment voir ici, donc l'émission est déjà là, en lien, et vous pouvez donc évidemment vous inscrire pour connaître dès que les stocks sont disponibles, ou une librairie en physique pour ceux qui préfèrent l'acheter concrètement. Le toucher, il y a un aspect sensuel par rapport au livre. Bah tiens, on va peut-être commencer par ça, Olivier. Tu as connu, entre guillemets, l'ancien monde, l'ancien monde, le monde que l'on vit actuellement. Non, parce que sinon... Là, tu me fais passer pour un ancêtre maintenant. Alors là, j'ai eu le monde des dinosaures en tête. Je me suis dit, ça y est. Je mets les deux pieds dans le plat. Tu vois, c'est pas avec toi que je suis méchant. Là, c'est avec Olivier ce soir. Non, franchement, tu as connu en fait cette transition, on va dire, avec les e-books numériques, etc. Aujourd'hui, les personnes ont le choix de télécharger la version numérique ou papier. Et donc, il y a cette sensualité de toucher avec le livre, le fait de l'avoir, de pouvoir quelquefois mettre un marque-page, de quelquefois mettre un petit post-it à un endroit pour un passage en particulier qui nous a plu, qui nous a parlé, qui a résonné en nous. Avec l'e-book, on a cela, mais de manière numérique. Alors, j'aimerais avoir ton avis sur la question. Toi qui es passé par, on va dire, toutes les phases, tu connais très bien le domaine de l'édition, de l'écriture, puisque tu es le traducteur, en fait, celui qui a traduit les quatre accords Toltec, il faut le dire. Voilà, c'est grâce à toi. C'est et vrai. Merci pour ce travail titanesque qui est juste une référence aujourd'hui. C'est la seule et je t'en remercie rien pour ça. Mais alors, cette transition au numérique, comment aujourd'hui les éditeurs, les écrivains comme toi la perçoivent? Alors, moi, je suis quelqu'un de très branché, nouvelles technologies depuis toujours. Donc, l'arrivée de l'e-book et de ses variantes, moi, j'ai trouvé ça très chouette. Et sincèrement, aujourd'hui, je pense que je suis à peu près à 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des livres que j'aime avoir en papier, notamment des livres que j'ai l'intention de garder. Il y en a beaucoup que je lis en e-book. Et mine de rien, il faut quand même le dire, sur une tablette, on peut souligner, on peut mettre des marque-pages.
Oui, On c'est peut vrai. surtout écrire. Et quand, comme moi, on utilise ensuite un livre, par exemple, pour un travail de recherche, ce qui est génial avec un e-book, c'est qu'on peut très facilement retrouver un extrait au lieu de se dire, oh là là, dans ce bouquin de 1200 pages, il est où le paragraphe qui m'intéressait? Oui. Hein? Et on peut faire des copier-coller. Et pour ne rien te cacher, Didier, j'ai même un certain nombre de livres que j'ai à la fois en papier et en e-book. Donc, je trouve que c'est des utilisations complémentaires. Et moi, ça ne me pose aucun problème. En plus, ce qui est sympa, c'est que, bon, pour moi, je suis sur Mac, donc que ce soit sur mon Mac, sur l'iPad, sur l'iPhone, j'ai accès au même livre. Je peux commencer la lecture sur l'un, continuer dans le train sur l'autre. Non, sincèrement, moi, je suis assez fan. Et pourtant, je viens d'une famille qui est dans le livre depuis 4 générations. J'avais un grand-père, un arrière-grand-père qui collectionnait les livres rares et anciens, y compris des incunables, donc des livres d'avant l'imprimerie. Donc j'adore le vrai papier, le vrai livre, mais ça m'empêche pas d'aimer l'e-book aussi. Voilà, l'e-book aussi, donc un pied dans le 21e siècle totalement assumé. Merci à toi. Je vais me permettre la première question et ensuite je te laisse la main. Magicien au pluriel, pourquoi magicien avec un S du quotidien? Pourquoi au pluriel? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Le but, c'est de permettre à chaque lecteur, chaque lectrice, de devenir à leur tour des magiciens du quotidien. Ce livre rassemble 40 clés, 40 verbes pour infuser de la conscience, infuser de la lumière, infuser de la présence dans les moindres gestes du quotidien, y compris ce qu'on appelle d'habitude les corvées. Et au départ, je pensais appeler ça d'ailleurs spiritualiser votre quotidien. Et puis ce qui m'en a empêché, c'est deux choses. De un, le mot spiritualité fait peur à des tas de gens. C'est un mot que certains jugent un peu élitiste. Être spirituel, c'est avoir le temps de faire une retraite dans un monastère lointain. C'est, je sais pas moi, c'est partir faire le chemin de Compostelle. C'est pas quelque chose que les gens s'imaginent accessible à tout le monde. Et pour moi, la spiritualité, elle est accessible à tout le monde. Et puis en plus, en l'écrivant, en commençant l'introduction, je me suis surpris moi-même à utiliser plusieurs fois les mots magique, magicien, magie. Et je me suis dit, ben en fait, je pense que c'est la plus jolie façon aujourd'hui de réintroduire la spiritualité de manière accessible à tout le monde, c'est de parler de magie, puisqu'avec la série des Harry Potter notamment, mais plein d'autres depuis, eh bien, cette notion de magie est de nouveau revenue dans nos vies. Et que je pense que vivre une vie spirituelle, c'est littéralement mettre de la magie dans son quotidien. Merci pour cette réponse plus que complète. Alors, Christelle, toi, de ton côté, tu es devenue magicienne depuis que tu as lu le livre ou pas? Ben, en tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est merci pour le livre parce que je trouve qu'il remet de l'ordre dans les idées. C'est-à-dire qu'il est vraiment là pour nous accompagner un petit peu dans cette vie spirituelle et nous rappeler que ben, on n'est pas obligé d'être un moine ou je ne sais quoi, ou un. Qu'en fait, tout le monde peut l'être et qu'on peut le faire dans notre quotidien. Et quand je l'ai lu, le livre, il y a des choses, moi-même, je le faisais déjà, et il y a d'autres choses où je me disais, bah, je le mets de côté, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, ou je sais pas, il faut que je vive un peu excentrée, enfin voilà. Et finalement, bah, en relisant le livre, je me suis dit, non, en fait, c'est un peu bête quand même de se dire qu'on peut pas le faire, que c'est pas à notre portée, alors qu'en fait, si. Accessible. Ouais. C'est vraiment très accessible. Et puis, c'est des verbes qu'on peut se rappeler facilement. Donc, comme tu dis, 40 verbes. À la fin, il y en a, je ne sais même pas combien il y en a, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Il y en a 13, expérimenter, aimer, remercier, pardonner, méditer, toucher, respirer, consacrer, trier, Wow. regarder, écouter, enthousiasmer, se reposer. Tout un programme. Mais c'est tous ces verbes parlent à chacun. C'est notre vie en fait. Juste, Ouais. c'est ça peut on peut le résumer en une journée. C'est notre journée en fait, Dans la au journée, on peut faire quotidien. tout cela, Mais ouais. oui. Mais après, si on fait pas déjà tout ça, c'est comme c'est bien dit, faut pas se mettre la pression, faire les choses à son rythme. Et c'est merci pour le livre. Moi, il m'a fait un bien fou. Ah Voilà. ben c'est super, merci, c'est Il le m'a but. vraiment fait un bien fou parce que. Bah ça remet de l'ordre en fait un petit peu. Ça nous rappelle que oui, aujourd'hui, on peut continuer notre chemin, notre parcours en étant bah, chez nous, Ce que comme tu ça. dis, c'est un peu, Ouais. ça me rappelle une chose, c'est un peu être heureux, ça se décide. Est-ce que c'est ça l'idée? Être heureux, ça se décide?
Olivier? Alors, l'idée, c'est pas de, c'est pas, on n'est pas sur la thématique du bonheur, là, on est sur la thématique de la conscience. Et puis, dans l'idée, effectivement, que pour moi, au sortir de, si on met ce livre en pratique, notre vie est exactement ce qu'elle était hier, c'est-à-dire en apparence, rien n'a changé et en même temps, tout a changé. Parce que lorsque je prends une douche en conscience, lorsque je cuisine en conscience, lorsque je fais le ménage en conscience, lorsque je spiritualise finalement le moindre geste, la moindre chose que je fais, extérieurement, si quelqu'un me regarde, il me voit faire exactement la même chose que je faisais la semaine d'avant, mais intérieurement, comment je le vis et ce que ça dégage, ça change tout. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce commentaire sur ce livre. Celles et ceux qui nous suivent et qui l'ont pas eu entre les mains, c'est un livre qui est court. Chaque verbe, pour vous donner une idée, quand je l'ai écrit sur mon ordi, chaque verbe prenait juste une page à 4,5, c'est-à-dire un peu de texte, un peu de présentation et tout de suite la pratique. C'est vraiment un vade-mecum. Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant c'est devenu mon livre de chevet. Des fois, je l'ouvre et puis je choisis un verbe au hasard avec lequel je vais expérimenter pendant une journée ou une semaine. Et voilà, donc le commentaire de Christelle est vraiment super parce qu'il va exactement dans le sens de l'intention qui m'animait en l'écrivant. Il est oui c'est ça c'est oui c'est le genre de livre que je conseille généralement à garder toujours de côté, à l'avoir toujours sous la main parce que c'est un livre qu'on a envie de d'ouvrir, de relire de temps en temps. Bon là en plus il faut expérimenter un petit peu chaque verbe, les mettre en pratique. Il y en a chacun va le faire à son niveau. Moi, par exemple, remercier, je le fais régulièrement. Donc, celui-ci, j'ai même plus besoin de le mettre en pratique puisque il C'est est quelque déjà chose, acquis. c'est intégré. Voilà. Pour moi, il est acquis, il est intégré. Mais par exemple, bénir, ce verbe-là, finalement, c'est vrai que ben, on mange, on a plein de moments où on devrait le faire. Et en plus, c'est un verbe que j'ai retrouvé dans d'autres livres de spiritualité et qui parle de ce genre de choses, de mettre de l'intention, de mettre, de bénir même quand on va manger. Enfin, moi, ça me reste très en tête parce que ça me rappelle un peu ce côté religieux qu'on a perdu, ces rituels que les... Alors, bon, moi, je connais que les catholiques, mais qu'ils avaient de bénir leur nourriture. Mais finalement, on a perdu ça. On pourrait le faire sans pour autant être dans la religion. Tout On a à bien fait. compris ça. Je comprends qu'il n'y a pas cette connotation. J'ai moi la sensation que ça me laisse, en tout cas, dans ce que tu dis, Olivier, et de ce que témoigne en tout cas Christelle, c'est un peu cette magie existe déjà tout autour de nous. Il faut juste la saisir. Elle existe, elle est préexistante. C'est juste que les personnes, c'est un peu comme si on marche sur un parterre de pièces de monnaie qui sont par terre, mais on a le nez en l'air en se disant, bah, comment je vais faire ma feuille d'impôt, je la remplis, etc. On est pollué par nos soucis et on ne voit pas la magie du quotidien qu'il y a, d'où le titre, je le comprends un peu mieux maintenant. Est-ce que c'est ça, saisir la magie existante, mais pas forcément l'inventer, c'est pas sorti comme ça du chapeau tout seul, elle existe réellement au quotidien. Alors oui et non. Bien sûr qu'il y a une magie qui est là et qu'on peut redécouvrir. Mais en même temps, je dirais que pratiquement la moitié des verbes qui sont rassemblés dans ce livre, donc des clés pratiques, elles s'appuient sur ce que j'appelle la loi d'analogie. La loi d'analogie, elle part du principe que puisque tout est un, puisque comme disait Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, l'idée c'est que l'être humain est construit de la même façon que le cosmos, que l'univers tout entier dans lequel on habite. Partant de là, tout ce que je fais à l'extérieur a son reflet à l'intérieur. Je prends un exemple tout simple. Je peux prendre ma douche le matin en pensant à tout et n'importe quoi. Oui, il faut que j'amène les gamins chez le médecin après l'école. Ah oui, puis j'ai un rendez-vous au boulot avec le commercial, etc. Mais en réalité, mon corps est sous la douche, mais ma tête, mon cœur, tout le reste est complètement ailleurs. Je ne suis pas présent, je ne suis pas là. Et si je vis cette même douche en utilisant la loi d'analogie, je vais me dire, OK, là, je suis en train de laver mon corps physique, mais il n'y a pas que ça qui a besoin d'être lavé en moi. Peut-être que mon cœur héberge toutes sortes de sentiments pas très agréables qui se sont accumulés depuis des jours ou des semaines. Il pourrait aussi être lavé. Puis peut-être que mon mental aussi a toutes sortes de pensées, de doutes, de choses qui m'obstruent finalement les pensées. Et donc, je propose chaque fois des formules, des prières. Et je le fais d'une manière, comme tu l'as dit, Didier, qui est non religieuse, c'est-à-dire n'importe qui peut lire ce livre, qu'on soit juif, chrétien, musulman, athée, agnostique, ce qu'on veut.
on peut s'approprier ça et on peut se retrouver sous sa douche et puis dire, bah, comme cette eau descend sur moi, bah, que tout mon être soit nettoyé, lavé, purifié, sanctifié par l'eau vierge et pure. Et tout d'un coup, cette douche matinale devient une ablution, devient un moment sacré et on en ressort transformé, on en ressort bien meilleur que si on le faisait en pensant à 150 choses et en étant à moitié là. Donc là, on est bien d'accord, on parle de présence, hein, présence à soi, de vivre le moment présent, vraiment, Eckhart Tolle, on parle beaucoup, etc. Mais je t'ai vu dans une interview, d'un extrait d'interview, ou même d'une formation, je crois, en ligne que tu proposes, où tu parlais, ça ne vient pas de toi, hein, tu le précises aussi, que quelqu'un parlait de distraction massive, ce qui nous empêcherait donc de vivre oui. cette magie au quotidien. Donc, arme de destruction massive, et là, on a de la distraction massive, c'est la radio, la télévision, etc. Toutes ces choses qui occupent notre esprit. Alors, je vais quand même juste pour te paraphraser, tu parlais de ces changements de plan, on peut en faire comme ça, etc. avec toi. Bon, nous, on pose les choses, on n'est pas non plus une télévision, sinon on serait à la télévision, on fait du web, de la web TV, et de ce fait-là, on n'essaie pas de distraire de manière massive parce qu'on n'a pas les moyens, justement, de la télévision non plus. Mais est-ce qu'on peut en parler un petit peu, si tu veux bien, parce que je crois que c'est un lien quand même au fait que ça nous bouche. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, quelque part, cette distraction massive. Est-ce qu'on peut en parler quelques minutes, Olivier ? Oui, bien sûr, effectivement, je citais le fait qu'on assiste depuis, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, à une accélération délirante du rythme de changement d'image, c'est-à-dire que dans une émission comme The Voice ou dans plein d'émissions de télévision, le changement de plan, c'est toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, on a un autre angle, une autre caméra, une autre personne en face. C'est-à-dire qu'en fait, la stimulation permanente a atteint des proportions de dingue et on sait que n'importe quel sens, quand il est surstimulé, ben il s'anesthésie, il perd de son intensité, il perd de son acuité. À l'inverse, ben, par exemple, les gens qui ont fait un jeûne se rendent bien compte que le premier morceau de pomme qu'ils vont croquer, waouh, la pomme, c'est extraordinaire, comme si on n'en avait jamais mangé de sa vie. Mais là, on est bombardé d'infos, bombardé de news. Les chaînes d'infos en quotidien, mais c'est du délire. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont ça chez eux en permanence. Mais l'abrutissement, c'est-à-dire voilà, retour à l'état brut, hein, c'est ça que ça veut dire, abrutir, parce que le rythme est insoutenable. Donc effectivement, c'est Pierre Pradervant en Suisse qui avait utilisé ce terme d'armes de distraction massive, qui sont un réel danger parce qu'elles nous empêchent de nous poser, nous empêchent d'être là, nous empêchent de réfléchir. Parce que avec ce degré-là de stimulation, on peut pas prendre du temps pour soi. Voilà. Oui, c'est compliqué, effectivement, de pouvoir se poser. Je crois que la magie a besoin de temps pour s'installer, au minimum ce que tu fais maintenant au quotidien, quelque chose que tu pratiques aujourd'hui. Oui. Tout à fait, excuse-moi, j'étais en train de réfléchir parce qu'il y avait quelqu'un sur le chat qui disait oui. « Béatrice, c'est un livre spirituel plus qu'un livre de magie ». Bah moi, j'ai envie de répondre, c'est aussi un livre de magie, en fait. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un grimoire version 2022, quoi. Oui. Mais pour moi, oui. La véritable magie, elle est spirituelle. Voilà, ce qu'on appelle la magie blanche. Hein, ce n'est pas la sorcellerie, la magie noire, etc. Mettre de la magie, enfin, pratiquer la magie, pour moi, c'est ça quelque chose d'éminemment spirituel et de nombreux auteurs en parlent. Moi, un auteur qui m'a beaucoup, beaucoup influencé dans ma vie, c'est Omram Mikhaïla Ivanov. D'ailleurs, il y a des choses dans ce livre que j'ai en quelque sorte traduit, c'est-à-dire je me suis inspiré de choses qu'il recommandait de faire, mais en me disant comment est-ce qu'on les formule aujourd'hui en 2022 pour que ça soit entendable par tout le monde. Parce qu'il faut savoir que toutes les grandes vérités spirituelles, eh bien, la façon dont elles ont été exprimées à un certain moment, dans un certain pays, pour un certain public, eh bien, tant de décennies ou de siècles, ou a fortiori de millénaires après, la forme a vieilli. Le fond, la vérité de fond, elle est toujours pertinente, mais la forme a vieilli. Et je pense qu'il est important de mettre à jour les formes. D'ailleurs, c'est rigolo, on n'arrête pas de faire des mises à jour de ses logiciels, son smartphone, son GPS, mais de temps en temps, c'est aussi important de faire des mises à jour intérieures, j'en parle d'ailleurs dans Magicien, oui. Et de se dire, tiens, cette idée-là, cette notion-là, s'il fallait l'exprimer aujourd'hui, dans quels mots, dans quels termes on la formulerait pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde.
Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai retrouvé des passages que j'avais lus dans. Comment il s'appelle? C'était un livre de Thich Nhat Hanh, Méditation. Non, j'arrive plus à me souvenir le titre exact, où justement, il y avait un passage où il parlait de faire la vaisselle. Juste faire la vaisselle en conscience. Alors, quand j'ai lu le passage, je me suis dit, waouh, bon, alors moi, le jour où j'arrive à faire ça, miracle, parce qu'alors, franchement, faire la vaisselle, moi, j'ai juste envie, qu'une envie, c'est de m'en débarrasser et de faire autre chose. Hein. Et pareil, cuisiner. Bah, cuisiner, finalement, on n'a pas le choix de manger. Enfin, donc, on cuisine. Mais on ne met pas de l'intention dedans, on ne met pas de la conscience. Et quand j'avais lu une première fois donc, ce livre donc, de Thich Nhat Hanh, c'était dit avec des mots qui. Bah, il date un peu son livre, donc ça manquait de. Il fallait réactualiser. Un petit peu. Et justement, dans ce livre, il y a un passage cuisiner, un passage faire le ménage, un passage. Des petites choses qu'on fait tous au quotidien, où quand j'ai relu, je me suis dit, ah oui, et bah allez, cette fois, faut le tester parce que bah, ça m'a paru plus simple en fait. Bah, c'est pas des blagues quand on dit, quand on goûte quelque chose qui a été préparé avec amour, il y a vraiment une différence. Hein. Mais c'est concret. Oui, ça, bah, ça oui, voilà. Clairement. Quand c'est fait avec confit, il y a vraiment... Avec Donc là, Olivier nous invite à upgrader, sans pour autant upgrader notre firmware. Oui, tu disais. Maria, Christelle, il y a le lave-vaisselle. Oui, mais même avec le lave-vaisselle, ça... il faut le remplir, le lave-vaisselle. Hein. Alors, upgrader justement le firmware, comme le propose, comme le suggère en tout cas Olivier Clerc, mais sans pour autant passer dans le transhumanisme, hein, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est juste upgrader justement le firmware, tu as fait une analogie par rapport aux mises à jour, donc là on dépoussière le concept justement des grimoires, mais là on est dans le grimoire version 2022 avec magicien au pluriel du quotidien, on est tous magiciens, et réveiller cette magie qui est en nous, et capter aussi la magie qui est à l'extérieur. Et pour les fans d'Harry Potter, au passage, il y a quand même pas mal de petits passages de référence. Oui. Alors, c'est que t'es fan ou pas, justement? T'as acheté la baguette et tout Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai adoré, franchement. Alors, je ne les ai pas lus, les livres, mais j'ai vu tous les films et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de richesse. Après, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand je regardais le film, je me disais, mais en fait, le pauvre Harry et les pauvres sorciers, dès qu'ils n'ont plus de baguette, ils sont tout perdus, ils ne peuvent plus rien faire. Tout est dans la baguette, finalement. Et la baguette magique que je propose, moi, dans ce livre, c'est la conscience. Et l'avantage, c'est que cette baguette-là, on l'a toujours avec soi. Personne ne peut nous la piquer, personne ne peut nous la voler. Et lorsqu'on commence à mettre de la conscience dans ce qu'on fait et qu'on utilise cette loi d'analogie, c'est-à-dire qu'on crée un lien entre ce qui se passe en dedans et ce qu'on fait à l'extérieur, la magie, elle se développe de partout. D'ailleurs, l'idée du livre, c'est quoi? À travers les exemples que je donne, à travers les exercices pratiques que je propose, c'est qu'à un moment, le lecteur, les lectrices pigent le principe et puis puissent continuer inventer leur propre rituel, pousser la magie encore plus loin d'une façon qui leur soit propre. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a non seulement c'est un manuel qui permet d'avoir en fait des exercices pratico-pratiques, hein, on est dans le concret, hein, on n'est pas dans l'imaginaire, il y a quelque chose de concret qui se fait au quotidien, des exercices en permanence que l'on peut faire autant qu'on veut, voilà, c'est pas comme l'alcool, hein. Bon, là c'est sans modération qu'on peut le faire, mais en plus on peut créer ses propres rituels à soi grâce à la méthodologie qui est à l'intérieur de ce livre, c'est ça? Je l'ai pas lu moi, donc j'en sais rien. Est-ce qu'on peut inventer ses propres routines? Christelle, tu allais dire quelque chose? Oui, complètement, on peut le... Et puis, enfin, on est basé à partir des verbes, donc en fait, enfin, pour moi, ça me paraît logique, peut-être que expliquer, je vais peut-être mal l'expliquer, mais on a des verbes, et finalement, ces verbes, moi, j'ai envie de les piocher, de me faire une petite routine, je sais pas, lundi, j'ai envie d'utiliser le verbe, laver la vaisselle, allez, c'est parti, j'en parlais tout à l'heure, voilà, je vais faire le verbe laver, je vais laver mon intérieur, je vais le faire en conscience, et mettre de l'intention dedans. Et puis, il y avait aussi un autre où on avait, alors je sais plus quel verbe c'est, où on mettait un bracelet ou une petite devenir note. Conscient. Oui, voilà. Devenir conscient, ouais. Quand on voit cette marque ou ce bracelet, c'est de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai autour de moi et où je suis. Enfin, se mettre en conscience. Pose de conscience, ouais. Voilà, ouais. C'est ça. Et c'est des petites choses comme ça où on peut le faire tout le temps et on peut se créer ses propres petites routines qui sont simples. Puis il y a des verbes qui complètent d'autres verbes.
Oui, Donc en fait, c'est au même ils niveau. s'enchevêtrent les uns dans les autres. Ouais. C'est Et ça. puis, je pense qu'il y a quelque chose d'important à dire à ceux et celles qui nous écoutent ce soir, c'est que moi, je propose à mes lecteurs et lectrices de s'amuser avec ça. Quand on est gamin, on apprend tout en s'amusant. On joue avec les copains, on imite ce que font les adultes, les grands, puis tout d'un coup, on devient terriblement sérieux et on perd le jeu. Mais en fait, comme le sait très bien Marc Huchard, par exemple, avec qui j'ai créé le jeu des accords toltèques et qui a créé des dizaines de jeux autour de livres, ça va de Neil Donald Walsh à Deepak Chopra à d'autres, on peut tout apprendre en jouant. Et ces verbes-là, il s'agit d'en choisir un en se disant, tiens, celui-là, je ne l'ai pas encore essayé. Si je m'amusais avec ce verbe-là une journée, par exemple, il y a un chapitre, c'est ouvrir et fermer. Vous imaginez le nombre de portes, de tiroirs, de fenêtres qu'on ouvre par jour. Et quand on met de la conscience dans un truc comme ça, tout d'un coup, on se dit, ah, mais aussi, en moi, il y a des choses qui s'ouvrent et qui se ferment. Est-ce que j'ai envie d'être ouvert à tout et n'importe quoi, y compris à des courants, des pensées, des infos toxiques? Est-ce que j'ai envie d'être complètement fermé puis de rien laisser rentrer? Ou est-ce que j'ai envie de mettre de la conscience en disant quand j'ouvre, quand je ferme? Et d'utiliser les gestes extérieurs, chaque poignée de porte qu'on ouvre et ferme, chaque placard, c'est extraordinaire ce qui se passe à l'intérieur. Et je dis souvent dans le livre, ne me croyez pas, expérimentez, observez, faites le bilan au bout d'une journée. Si ça vous a plu, ça vous a interpellé, ça vous a apporté quelque chose, bah peut-être faites-le une deuxième journée ou une semaine. Et puis ensuite, on passe à un autre verbe et on change. Et comme ça, on n'est pas dans la monotonie et de fil en aiguille, sans même s'en rendre compte, bah, ce qui semblait beaucoup au début, donc 40 verbes, 40 clés, mais du coup, on se dit, ah, bah, celui-là, celui-là, puis celui-là, bah, ça, j'ai déjà testé. Et petit à petit, ça fait descendre, ça fait pénétrer en nous une autre façon d'être, d'agir au quotidien. Donc vraiment, on peut se tailler sur mesure sa propre routine. J'ai envie de dire, je vais le faire en English, mais est-ce que la magie du quotidien est un killer of the procrastination? Là, c'est un tueur de procrastination, je vais y arriver. Est-ce qu'on finit justement par annihiler cette tendance qu'on a tous à procrastiner, j'arrive à le dire, mais sans s'en rendre compte? C'est peut-être le second effet, peut-être inattendu, si on le pratique au quotidien. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu l'as constaté en tout cas dans ceux qui le pratiquent? Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à procrastiner? Des choses qu'on ne trouve pas intéressantes. Parce qu'on a cette idée qu'il y a des choses hyper importantes, le moment où je vais faire mon yoga, je vais méditer, je vais prier, puis il y a les choses casse-pieds, c'est les corvées, c'est tout ça. Mais à partir du moment où on se rend compte que absolument tout ce qu'on fait du moment où on se réveille le matin jusqu'au moment où on s'endort le soir peut faire partie de notre vie spirituelle, eh bien, on ne va pas se dire vite, 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 il faut que je termine la vaisselle pour aller méditer dans ma salle de méditation. C'est de dire ce moment de vaisselle, si je le vis en conscience, il vaut une méditation. Je pense que quelque part dans le livre, je dis il vaut mieux faire la vaisselle en conscience que méditer de façon somnambule. Il y a des méditations qui nous apportent moins qu'une corvée faite en étant pleinement là, qui n'est plus du tout une corvée, qui devient un rituel, qui devient quelque chose d'important. À partir de ce moment-là, il n'y a plus des moments où, symboliquement parlant, je suis sur scène, donc il faut que je fasse le beau, je joue, il y a du public, puis des moments où je suis en coulisses, puis là, on s'en fout parce que je suis tout seul derrière. Non, chaque moment de la vie, chaque activité, chaque instant, si je le veux, si j'en ai envie, si j'ai envie de m'amuser avec ça, je peux le transformer et en faire un moment sacré, un moment magique, un moment qui participe finalement de mon cheminement spirituel, au lieu d'être quelque chose dont il faut vite que je me débarrasse pour aller faire mon yoga, ma prière, ma danse sacrée ou que sais-je. Alors, je vais juste parler de quelque chose qui est une expérience personnelle que j'ai pu partager avec d'autres personnes aussi, avec lesquelles j'ai pu échanger. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ça part justement sur cette présence-là. On sait très bien, on a parlé de l'e-book tout à l'heure, d'accord, la version numérique des livres, mais il y a aussi la version audio des livres aussi. Donc l'audio libre a cette faculté. À la base, il faut le savoir, ça existait à l'époque des cassettes. Hein. Aujourd'hui, c'est numérique. On peut les avoir par MP3 ou en ligne, etc. Le fait est que, à la base, c'est fait pour les malvoyants, voilà, les personnes qui ont du mal à lire, etc., qui ont du mal à trouver des livres en braille, et donc le livre audio est une bonne solution. Simplement, les bienvoyants comme moi qui se sont dit, ah, attention, alors prête-moi le livre, juste comme ça, J'ai je besoin de la prends, page. Ah, c'est bon, je voilà, l'ai déjà comme ça. marqué. Alors, je prends le livre, je suis obligé d'avoir le silence, et je ne peux rien faire d'autre. Et donc, c'est vrai qu'on est pressé quelque part, on se dit, le livre audio, c'est bien, on le met en route. Quelqu'un le lit pour nous et on peut faire autre chose. Sauf que
dans la pratique, je n'étais pas présent et je me suis surpris, j'ai échangé avec d'autres personnes. Le livre audio, c'est bien, mais sauf qu'on souvent on remet la lecture du livre audio plusieurs fois parce qu'il y a des passages qui étaient importants où on faisait autre chose et on n'a pas vraiment écouté. Le cerveau était déconnecté à penser à autre chose. Donc là aussi, je pense que c'est une manière vraiment pour illustrer que l'on même des choses qui où on se dit on va pouvoir avec le livre audio faire autre chose pendant la que quelqu'un lit à notre place, c'est déjà un manque de présence. Qu'en penses-tu ? Alors, ce que je pense déjà, c'est que quand on lit un livre, quand on lit un livre papier, sincèrement, je pense que si on en capte 25 à 30% grand maximum, c'est déjà beaucoup. Parce que des moments d'inattention, en lisant, on en a aussi beaucoup. C'est-à-dire que des fois, on ne se rend pas compte, mais on vient de lire deux paragraphes en pensant à autre chose. On a zappé, on a repris vraiment l'attention qu'au paragraphe d'après. Et c'est pour ça que je dis toujours, les livres qu'on aime vraiment, il faut les lire au moins deux ou trois fois. Tu parlais des accords Toltec, je pense au livre de Christiane Singer ou de François Cheng. Une seule lecture ne fera pas justice de la richesse du contenu qu'il y a dedans. Moi, je lis énormément, mais j'ai des livres derrière moi, je ne garde que ceux que je relirai un jour, que ceux où je sais qu'effectivement ça me nourrit et que je vais devoir les approfondir. Donc, un livre qu'on a aimé, il faut se dire, il faut le lire minimum deux, trois fois, quatre fois. Bon, il y a des livres que j'ai lus 10 fois, il y a des livres que je relis depuis 20 ans et à chaque fois, par exemple, Sadhana de Rabindranath Tagore, c'est un livre qui, je peux le relire deux fois par an et je vais continuer d'être nourri et d'y trouver de nouvelles choses. Donc voilà, pour terminer sur ta question, oui, bien sûr qu'avec un livre audio, on peut avoir des moments d'absence parce qu'on est en train de faire son repassage, parce qu'on conduit, puis que tout d'un coup, il y a un camion à dépasser. Mais je ne pense pas qu'on aura plus de moments d'absence avec de l'audio qu'avec la lecture telle qu'on la pratique. Très bien. Christelle, tu avais retenu une page apparemment. Oui. Alors, bon, déjà, tout à l'heure, je parlais du livre de Thich Nhat Hanh parce qu'il y a eu des gens qui m'ont demandé quel livre c'était. C'était « Le miracle de la pleine conscience ». Donc voilà, c'est un très très bon livre au passage. Hein. Mais c'est vrai que les passages qui sont repris dedans m'ont aidé à mieux comprendre aussi certains passages de Thich Nhat Hanh, hein, pour le coup, même s'il est bien expliqué. Mais je trouve que c'est infaisable. D'accord. Bon, et j'ai un passage, c'est le étalonné, le fameux verbe étalonné. Il y a quatre symboles, et j'ai eu du mal, alors pas à comprendre, mais à savoir comment il fonctionne sur nous. Comment ça se fait que on va... Il faut être calibré, c'est ça ? Il faut se calibrer ? Oui, c'est un peu l'impression que ça me donne. C'est comme si on allait avoir un calibrage intérieur, mais j'arrive pas à savoir comment ça fonctionne. Ah ben justement. En plus, on dirait... D'accord, alors effectivement, pour ceux qui n'ont pas le livre sous les yeux, l'idée d'étalonner, c'est quoi ? C'est que... pensons par exemple aux anciens appareils de photo, il fallait absolument faire la balance des couleurs avant de prendre une photo, sinon le résultat des photos n'était pas bon, les couleurs n'étaient pas bonnes. De manière beaucoup plus simple, concrète, la plupart des gens ont un pèse-personne chez eux. Si je ne l'ai pas mis à zéro, c'est-à-dire si je ne l'ai pas étalonné avant de monter dessus, le poids que ça va indiquer sera faux, il sera au-dessus ou en dessous de mon poids réel. Donc l'étalonnage d'un instrument scientifique, c'est absolument la base. On ne va pas utiliser un appareil dans un labo qui n'a pas été étalonné. Et j'utilise cet exemple-là en disant, mais est-ce que nous, intérieurement, on s'est posé la question de savoir comment on est étalonné ? J'utilise mon mental tous les jours pour porter des jugements sur ce que je lis ici et ça. Comment il a été étalonné, ce mental ? J'utilise mon cœur pour avoir des appréciations affectives, émotionnelles sur les gens qui m'entourent. Comment il est étalonné, mon cœur ? Et on se rend compte que finalement, ce que Miguel Ruiz appelle la domestication, c'est-à-dire la façon dont on est conditionné, programmé en quelque sorte par les adultes, nos parents dans l'enfance, eh bien, elle nous a étalonné d'une façon qui n'est quand même pas forcément très neutre, très juste. Et l'idée de ce livre, c'est de travailler avec quatre symboles fondamentaux, le cercle avec un point au milieu, la croix, mais équidistante, pas la croix chrétienne, le triangle équilatéral et le carré. Et comme ce sont des formes géométriques parfaites, il y a un équilibre parfait dans leur forme, le travail que je propose de visualisation chaque matin sur ces symboles induit un étalonnage intérieur, c'est-à-dire nous réaligne, remet le centre au centre,
Et moi, je me suis amusé. C'est des choses que tout ce qu'il y a dans ce livre, je l'ai expérimenté énormément. Donc, par exemple, ces symboles, j'ai travaillé 2 ans avec. En plus, je faisais ça matin et soir. Et franchement, c'est impressionnant de voir les transformations qui se provoquent en nous en travaillant avec des formes porteuses d'ordre, porteuses de quelque chose, d'une structure parfaite qui va nous permettre de réaligner, de rééquilibrer beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Très bien, merci. Alors, Christelle? Oui, alors je reprenais un peu la table des matières et tout, parce que c'est vrai que quand je l'ai lu, il y avait les grandes parties que j'ai lues rapidement finalement. Et là, je me suis aperçue qu'il y a les bases, la voie du cœur, les chemins du mental, et ainsi de suite. Est-ce que c'est pas une volonté justement de nous donner des pistes sur, comme les gens demandaient, les fameux petits rituels qu'on peut faire soi-même? Est-ce que c'est pas nous donner un espèce de petit calendrier pour nous inviter à faire rentrer la spiritualité dans notre vie? Alors oui, vraiment l'idée, j'aime bien parler de spiritualité descendante, parce que souvent on s'imagine que la spiritualité, c'est méditer, prier, c'est se barrer là-haut, vivement qu'on sorte de la roue des réincarnations, du samsara et qu'on retourne dans la pure lumière. Et moi j'aime bien l'idée de dire, bah, en fait, la spiritualité, c'est faire descendre l'esprit dans la matière, c'est faire descendre la lumière, l'amour, la conscience dans tout ce qu'on fait. Si on est venu là, sur cette planète, sur cette terre, c'est qu'on a quelque chose à faire là. Et chacun des verbes est là pour nous donner une clé pour faire justement descendre de la conscience, de l'amour, de la lumière dans tout ce qu'on fait. Alors il y a des gens qui m'ont dit encore récemment, forcément avec ce qu'on vit, qui m'ont dit, ouais, mais t'as pas l'impression qu'il y a quand même des problèmes plus graves qu'avec ce qui se passe en Ukraine et ci et là, etc. Et je réponds à ça, mais si on veut résoudre, que ce soit les problèmes écologiques, les problèmes politiques, les problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés, ça ne pourra se faire qu'en changeant d'état de conscience. Tout le monde cite Einstein depuis 80 ans qui avait dit, on ne peut pas résoudre un problème avec l'état de conscience, l'état d'esprit qu'il a créé. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 80 ans. C'est-à-dire qu'on essaye de régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés avec exactement le même état d'esprit. Ce que je propose avec ces 40 clés, c'est un chemin simple. En fait, je ne crée rien. Je traduis, je partage des choses. Tu parlais de Thich Nhat Hanh, Christelle, je parlais d'Omra Michael Avianoff. On trouve ces notions ailleurs. Moi, je me suis efforcé de les vulgariser au maximum, c'est-à-dire de les rendre accessibles à tout le monde, sans que ça nécessite ni des croyances, ni un niveau intellectuel, bac plus 25, etc. Que tout le monde puisse contribuer à finalement l'élévation du niveau de conscience, mais par les choses les plus banales, comment je touche une porte, comment je serre la main de quelqu'un, comment je regarde, comment je parle. Chacun des moindres gestes du quotidien devient une occasion de faire descendre de la lumière en moi et autour de moi. Et sincèrement, je pense que si on veut un jour qu'on sorte de ces problèmes que les médias nous exposent jour après jour et qui vont s'aggravant, il faut le dire, eh bien, ça passera par une transformation de nos niveaux de conscience. Et je pense que cette transformation, il faut qu'elle passe par des choses toutes simples. Et c'est le but de ce livre. J'étais en train de me dire, il y a un passage sur le fameux moment prier. J'ai très peu vu de livres parlant de prière ou prier ou alors spiritualité, mais alors plutôt avancée, on va dire. Comment dire? Je les catégorise en début, milieu et puis avancer. Et avancer, généralement, il y a des choses. Et le terme prière, pour moi, je l'ai un peu catégorisé donc, ben, dans le côté religieux. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait, ces moments de prière dans notre vie? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de méditation. Alors pour moi, méditation, ça allait un peu avec prière, mais finalement, c'est vrai que Ouais, la frontière est je mince. me vois, je me, je vois que j'ai pas forcément, à ce moment-là, compris la différence. Et là, le voir marqué, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter de faire bah, ces prières, même des prières du cœur. Finalement, on n'est pas obligé d'être dans une religion quelconque. Exactement. Et en fait, la réponse à ta question, c'est que la prière, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. C'est une manière, je dirais, de relier son cœur à son âme. Et de faire descendre sur soi et à travers soi, sur ceux qui nous entourent,
quelques particules de lumière, quelques bénédictions, quelque chose qui vont nous bouger. La prière, ce n'est pas la prière de Don Camillo, hein, ce n'est pas la prière de ceux qui disent débarrassez-moi de mon voisin, faites que mon équipe de foot gagne, faites que ma belle-mère meure plus tôt pour qu'on touche l'héritage. Ça, ce n'est pas de la prière. Hein, on est dans de la superstition de bas étage. La prière, alors. Souvent, les gens, c'est intéressant que tu parles de méditation. Moi, je dis souvent en plaisantant, moi, je ne médite pas. J'ai des éditeurs qui s'en chargent pour moi. Hein, et c'est qu'à moitié. Oui, j'ai beaucoup aimé ce passage aussi dans le livre, j'ai bien rigolé. Mais c'est qu'à moitié vrai parce que je pratique un peu la méditation, mais moi, ce qui me parle beaucoup, c'est la prière. Alors, peut-être parce que de nature, j'ai un intellect très développé. J'écris, je lis, je fonctionne beaucoup de la tête. Et dans ma spiritualité, que ça passe par le cœur, que le cœur s'ouvre, se dilate comme une coupe pour recevoir des bénédictions, recevoir quelque chose de lumineux et être rempli de ça, et ensuite pouvoir le partager autour de soi. Moi, ça me parle beaucoup. Si j'étais né en Inde, je pratiquerais le bhakti yoga, le yoga de l'adoration, de la dévotion, tout ce qui. La spiritualité pour moi qui passe par le cœur me touche particulièrement et c'est pas le cas de la méditation. La méditation est pas sur ce registre-là, elle est sur un autre plan. Donc à une époque où quand même beaucoup de gens cherchent un moyen de vivre leur spiritualité qui inclut le cœur, ben la prière pour moi elle est magnifique et je pense qu'il n'y a pas besoin de rester dans une forme religieuse. Mais en même temps, on peut l'utiliser. Moi, j'ai grandi dans la religion catholique, j'en ai claqué la porte à 16 ans, je suis revenu à mes racines chrétiennes plus tard. Donc, ça ne me dérange pas d'utiliser des psaumes, d'utiliser toutes sortes de prières. Je les ai un petit peu reformulées parce qu'il y a beaucoup de prières qui sont très au masculin. On a quand même une religion dans le christianisme où tout était très masculin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Et on sent qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons besoin aussi de la dimension féminine de la spiritualité. Donc moi, j'hésite pas à prendre des prières puissantes, magnifiques, y compris certaines qui sont liées aussi à la Kabbale, et des fois juste à en adapter la formulation pour qu'elle soit complètement en correspondance avec ma manière de vivre ma spiritualité aujourd'hui en 2022. Merci Olivier. Alors on va peut-être s'intéresser aux sources de ce qui t'a inspiré en tout cas l'écriture et l'élaboration de ce livre, hein, Les Magiciens du quotidien, on rappelle, disponible dans toutes les bonnes librairies et puis en réapprovisionnement sur desstudioshop.com. En ce qui concerne, il y a un site internet, on va le revoir parce que c'est bien quand même. Il y a un site spécifiquement taillé pour, et ça c'est juste fabuleux, on va le remettre dans la description, je viens d'en avoir une nouvelle juste maintenant en connectant, mais n'hésitez pas, vous tapez magie-du-quotidien.fr et vous tomberez sur un site consacré à ce livre. Oui, et pourquoi avoir fait ce site justement sur les magiciens du quotidien? Oui, c'est lui Parce demander. que moi, quand j'écris, j'ai qu'une obsession, c'est la pratique. D'abord, quand je lis, c'est mon obsession. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en pratique de ce que j'ai lu? Et quand j'écris, je cherche également à donner à mes lecteurs et lectrices des outils pratiques. Donc, je me suis dit, OK, le livre, c'est bien. Mais j'ai eu l'idée, sur ce site, par exemple, les gens peuvent s'abonner et ils vont recevoir pendant 100 jours. Un court extrait du livre chaque matin. L'idée, c'était de se dire, les gens vont lire le livre. Le risque après, c'est qu'on a lu le bouquin, hop, on le range avec les autres, et puis on oublie un peu, on passe pas à la pratique. Si pendant 100 jours, chaque matin, dans ma boîte aux lettres, il y a une petite pensée, il y a un petit extrait, les retours que j'ai depuis 3 mois que le livre est sorti, c'est que vraiment, les gens, ça les aide à rentrer dedans. Donc ça, c'est totalement gratuit. Il y a le livre, et puis encore un pas plus loin. Avec en développement la boîte de webinaire de Gabin Belay, on a créé un webinaire, donc 5 heures de vidéo, pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin dans la pratique. Donc là, on a l'occasion vraiment, chaque verbe qui est abordé, d'aborder encore plus en détail. Dans le livre, tout est très court, très condensé, c'est vraiment le manuel pratique. Et dans le webinaire, par la force des choses, puisqu'on a plus de temps, on peut développer davantage. Parler d'anecdotes, donner des éléments de plus pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin. Alors, un livre plus vivant que ça, tu meurs, hein, parce que finalement, il est interactif et il va au-delà de la lecture du livre, puisque derrière, webinaire,
qui s'organise, site internet dédié. C'est une gageure de faire tout cela. Alors, pour parler des origines, hein, justement de ce qui t'a inspiré cela, on voit que tu aimes faire les choses à fond, mais on va parler de ce triptyque, hein, le fait de ton parcours. Tu as été éditeur toi-même, auteur en parallèle, etc. Il y a traducteur, donc on voit beaucoup ça. Au niveau des sources, on voit que il y a le cercle de pardon, hein, que je crois qu'il existe toujours, je crois, Olivier, c'est toujours le cas. Oui, bien sûr, il en existe plus de 250 aujourd'hui dans une quinzaine de pays. Voilà, le cercle du pardon. Il y a le fait aussi d'être... voilà, combien de livres tu as à ton actif actuellement? Juste comme ça, ça va me faire rigoler, mais bon, ça va faire rire beaucoup. Alors j'en ai écrit 24. Voilà, donc rien que ça, voilà, on voit un quart de siècle déjà d'écriture. Mais bah, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. Allez, c'est parti. On ne peut s'empêcher, étant donné que tu as traduit, entre autres, les quatre accords Toltec, est-ce que ça a été aussi, entre autres, hein, dans les multiples sources d'inspiration que tu as eues, pour écrire ce livre, est-ce que ça t'a influencé ou pas? Voilà, honnêtement, je te pose la question. Alors, très honnêtement, je dis toujours que mes deux influences spirituelles majeures, c'est d'abord, je l'ai cité tout à l'heure, Omram Mikhail Ivanov, parce que j'ai découvert son enseignement, j'avais, je ne sais pas, 23, 24 ans, et j'y ai trouvé vraiment quelque chose d'extrêmement concret, extrêmement simple, extrêmement pratique. Et voilà, ça reste pour moi une référence incontournable dans ma vie spirituelle. Et 15 ans plus tard, j'ai eu la grande chance, effectivement, de pouvoir découvrir Miguel Ruiz, de pouvoir non seulement le traduire, mais le faire publier, le faire connaître en français à travers tous ses premiers livres. C'est moi qui les ai traduits et publiés aux éditions Jouvence, dont j'étais responsable littéraire. Et ce qui est rigolo, c'est que d'un côté, on a Mikhail Ivanov, de l'autre côté, Miguel Ruiz. Les deux ont des enseignements qui sont profondément solaires. Les deux ont enseigné dans une langue qui n'était pas la leur, le français pour Ivanov, l'anglais pour Miguel. Les deux aussi, et ça c'est pour moi absolument magique, sont d'une simplicité confondante. C'est-à-dire que si on veut lire Rudolf Steiner, si on veut lire Alice Bailey, il faut pratiquement avoir un bac plus 4, parce que c'est complexe, c'est dense, c'est riche, c'est fascinant, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. À l'inverse, Miguel Ruiz, les accords Toltec, si on en est à des millions d'exemplaires vendus, c'est parce qu'il utilise un langage d'une simplicité qui rend accessible ces vérités spirituelles à tout le monde. Ivanov avait ça aussi. Et moi, ils m'ont beaucoup inspiré pour ça, l'un et l'autre, parce que je pense qu'on n'est plus à une époque où il faut enrober son discours de notions occultes, ésotériques. On est à une époque apocalyptique, c'est-à-dire une époque de révélation. Tout est disponible aujourd'hui dans toutes les librairies. Et je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de formuler les choses en langage simple, clair, facilement accessible, imagé, parce que c'est de ça qu'on a besoin. La spiritualité n'est pas destinée à être réservée à une élite, elle est vraiment destinée à être pour tout le monde, parce que la vie est spirituelle, donc tout est spirituel puisque tout est vivant. Et voilà. C'est le principal. Donc, vraiment dans cette même lignée où c'est direct, simple, concret et accessible à tous, Magicien du quotidien d'Olivier Clerc, aux éditions. Alors, c'est toi qui vas dire. Le Duc. Voilà, avec lequel on est en contact déjà. Mais voilà, on va bientôt les avoir sur la boutique. Ici, il suffit de mettre votre email et vous serez en fait prévenu dès qu'il sera. Normalement, je devrais les recevoir début de semaine prochaine, normalement. Voilà, ça devrait rapidement se faire. Voilà. On t'a changé de caméra. J'ai changé de caméra. Voilà, Magicien du quotidien. J'espère que ça va devenir un best-seller qui mérite autant de succès que ceux qui t'ont inspiré pour le faire, en tout cas. Mais c'est du pur jus, Olivier Clerc. Par rapport à ça, pardon, excuse-moi. On m'accuse quelquefois d'être un peu trop dynamique. Voilà, j'adore montrer les livres. Voilà, parfait. On va pas lui le reprocher, en tout cas pas moi. Oh bah, moi non plus. Hein. Voilà, espérons qu'il aura un succès aussi grand que, parce qu'il le mérite. Le livre le mérite largement. Hein. Voilà. C'est toi qui as lu les deux, qui as lu tout. Les 4 accords. Alors oui, j'allais dire, j'ai pas lu les 24 livres, là, ne me pose pas de questions, s'il te plaît, non. Les 24, quand même pas. Mais quoique, avec le temps. Il y a des livres pour enfants quand même, il y a 4 livres pour enfants là-dedans. Oui, c'est bien ce qui me semblait, hein, qu'il y avait quand même des livres pour enfants, parce que j'en ai vu passer.
Et je crois qu'il y a les quatre accords toltèques expliqués aux enfants aussi, non? Ou pas? Oui, En livre, oui. les quatre accords toltèques transmis à mon enfant que j'ai fait avec Mélissa Monnier, qui est celle qui a fait ce merveilleux petit dessin animé qui a été vu, je ne sais pas, aujourd'hui on doit être à 600 ou 700 000 fois, qui s'appelle Chevalier des temps modernes. Vous allez sur YouTube, vous tapez Chevalier des temps modernes et vous avez ce petit dessin animé de quoi 3-4 minutes, qui est beaucoup utilisé dans les écoles aujourd'hui justement pour expliquer les accords aux enfants. Et elle s'était basée sur un livre que j'ai écrit qui s'appelle Les accords toltèques, une chevalerie relationnelle. Donc elle a présenté ses petits personnages en chevalier. Et voilà, ça a été très apprécié. Et du coup, les éditions Jouvence nous avaient proposé de faire un livre pour partager ça, qui est vraiment un livre parent-enfant, hein, à lire ensemble avec des ateliers pratiques, vraiment plein de clés pour vivre ces accords en famille et avec ses enfants. Alors, c'est pas pour rien que je te posais la question par rapport au fait que l'aspect ludique, tu y as touché même jusqu'aux enfants. Donc, tu sais comment purifier ou prendre la quintessence d'un enseignement que l'on retrouve dans ce livre-là, hein, puisque tu es allé jusqu'aux enfants. Donc, c'est pas qu'on est tous enfantins, mais quelquefois, il faut que ce soit très, très accessible. Et je te remercie pour cette simplicité d'accès. Ça s'appelle l'art de transmettre. Bah oui, l'art de Voilà. transmettre, c'est ça. Alors, je le dis, je témoigne à titre personnel, si tu me permets, Olivier, pour avoir participé à des conférences en direct, en réel, pas conférences virtuelles ou autre chose. On s'est serré la main, on s'est réellement vu à Oui. plusieurs reprises dans les conférences. Et je le dis parce que c'est rare que je le dise, que je témoigne de cette manière. Mais à chaque fois que je suis allé voir une conférence, j'en suis ressorti grandi en apprenant beaucoup de choses. Croyez-moi, avec tous les interviews, j'en apprends beaucoup, mais il est très difficile de me surprendre ou de m'apprendre des choses. Et là, à chaque fois avec Olivia Claire, j'en ressors toujours les yeux pleins d'étoiles. Et surtout, avec beaucoup d'humour, on rit dans les conférences, il faut le savoir. Il a beaucoup d'humour. C'est pas un humoriste, mais tu aurais pu faire concurrence à Dagda Delmalé, mais alors sans problème, par moment, tellement je me riais, mais vraiment. Et en même temps, c'est pas de l'humour gratuit, c'est pas juste pour faire marrer. Il y a un enseignement derrière qui est là. Et tu as compris une chose, une clé essentielle pour moi, c'est qu'avec l'humour, ça passe beaucoup mieux. Parce que quand on rit avec une bonne blague qui illustre en fait le propos absurde, même parce que des fois tu pousses ça à l'absurde, pour montrer, ça marque l'esprit parce que tu touches le cœur. Et quand le cœur est touché, ça imprime dans la tête. Et je te félicite pour ça parce que tous les conférenciers ne travaillent pas de cette manière-là. Et tu as cette faculté, pour moi, c'est un don, hein, que tu as. D'avoir cette facilité, cette accessibilité-là au niveau des conférences. Donc, je vous conseille vraiment vivement, si à un moment donné dans votre ville, par une association ou autre, Olivier passe, ne loupez pas, jetez-vous dessus. Vous allez passer un moment inoubliable, je vous dis. C'est Vraiment, gentil. vous allez vous régaler. Et surtout, vous allez en sortir avec, comment dire, c'est un peu comme moi, quand j'étais gamin, j'allais voir les films de karaté, j'avais l'impression que quand j'en sortais, si quelqu'un de 2 mètres venait, j'allais le défoncer, en fait. Là, c'est un peu pareil. On ressort avec cette impression où on est plus grand que soi, hein, quelque part, on est gonflé à bloc, et ce n'est pas une question d'ego. Voilà, donc je vous conseille, je vous invite vivement, vraiment, à vous connecter sur le site d'Olivier Claire, qui est tout simplement tout attaché, sans tirer, sans rien, sans majuscule, minuscule, ni caractère particulier, olivierclaire.com, pour avoir voilà, toute son actualité. N'hésitez pas à vous renseigner sur son agenda, c'est ce qu'il fait, et le suivre de très près. Comme je vous l'ai dit, inoubliable, conférence inoubliable à plusieurs reprises. Le site dédié justement au livre qu'on a chroniqué ce soir avec Christelle, que je remercie au passage, Magicien du quotidien. Voilà, le livre est en rupture de stock actuellement, mais rien ne vous empêche de vous inscrire sur la liste d'attente. Et puis voilà, donc on vous le présente encore ici. Et on va te laisser peut-être le mot de la fin avant de. Attends, Pour j'ai pas toi. fini, Ah, parce t'as que. pas fini, alors à toi. Parce que. Oui, non, mais je le connais. Je le connais quand il enchaîne comme ça après. Tu fais Mais. bien. Mais c'est parce que on parlait des cercles du poète. Et ils sont pas Oh le disparus. lapsus! Ils ne sont pas disparus. Il n'y a pas de poète disparu. Excellent. Lapsus révélateur, quand même. Pardon. Lapsus Du coup, on révélateur. a perdu Christelle, ça y est, c'est foutu. Je crois que c'est la plus belle insulte que tu aies eue, hein. Poète. Fabuleux. Fabuleux. Ça Ah fait ouais. un bout de temps que je me dis, faut pas que je dise ça. Et en Ah fait, voilà, il n'y a rien de tel. Rien de tel pour y aller tout droit. Alors, Bon, voilà, donc, attends, je vais encore le dire. Le cercle du pardon. du pardon, Pardon. pardon. C'est vrai que dans le livre, il en est fait référence. Alors, moi, je ne connaissais pas.
Et donc, pour d'autres personnes comme moi qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai écrit un livre en 2010 qui s'appelle Le don du pardon, qui raconte ma rencontre avec Miguel Ruiz au Mexique en 99, et cette expérience qui a changé littéralement ma vie. Il y a eu un avant, un après. Vous pouvez avoir la description en 10 minutes de cette expérience si vous allez sur ma chaîne YouTube et vous tapez don du pardon. Et c'est ce qui m'a amené par la suite à créer d'abord un atelier qui s'appelait Le don du pardon aussi, parce que les gens m'ont demandé à pouvoir vivre quelque chose s'approchant de l'expérience que j'avais vécue à l'époque. Et puis ça a eu tellement de succès qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais je ne vais pas y arriver tout seul. Donc il y a 10 ans tout rond, en 2012, j'ai commencé à former des gens à animer un cercle de pardon. Ça dure en moyenne entre 2 et 3 heures. Moi qui ai beaucoup de métiers, je les faisais souvent en 2 heures, mais 3 heures c'est le maximum. Et dans ce court espace de temps, les gens, à travers le rituel qu'ils vont vivre, vont accéder à cet espace du pardon, à ce que j'appelle la guérison des blessures du cœur, d'une manière qu'ils ne soupçonnent pas. En parlant de magie, il y a vraiment quelque chose de magique dans ce rituel qui est à la fois d'une simplicité confondante et extrêmement puissant. Et moi qui pensais qu'il allait s'en créer une petite dizaine, une vingtaine, allez, comme ça, je ne serais pas tout seul. Mais en fait, les gens sont tellement touchés que derrière, ils ont voulu se former. Et donc, en l'espace de 10 ans, j'ai formé 600 personnes à animer des cercles dans une quinzaine de pays dans le monde. Il y en a eu jusqu'à à peu près 300 d'actifs. Après, les histoires de confinement et tout ça ont un peu compliqué les choses. Mais comme je disais, il y en a en tout cas pas loin de 200, 250. Et il y en a beaucoup en France, puisque c'est là que l'aventure a débuté, mais aussi en Belgique, au Québec et dans plein d'autres pays. Merci pour cette précision. Et ce passage sur le pardon, justement, je l'ai bien aimé parce que c'était le apprendre à se pardonner. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ah. Je disais, ok, pourquoi il fait des tests micro là maintenant? Ok, je suis en train de dire un truc, mince. Mais c'est vraiment apprendre à se pardonner. Où je me suis dit, c'est vrai qu'on peut avoir des moments, des situations où quelqu'un va nous faire du mal. Et on se dit toujours qu'il faut pardonner l'autre, mais finalement, il faut aussi se pardonner de ce qu'on a généré après, ou même avant, hein, ceci dit. Mais voilà, se pardonner de ce moment-là. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, on a tendance vraiment à se dire à pardonner l'autre, mais on oublie que nous-mêmes, nous avons des choses à nous pardonner. Parce que finalement, on a cette rancune, on a cette rancœur, se génère plein de petites choses qui si on se pardonne pas, en fait, on les garde en nous. Bon, voilà, oui, c'est un petit passage que j'ai bien aimé sur le pardon, que je trouvais très, très important. Ouais. Pour moi, c'est une clé essentielle parce que en 2 secondes, le pardon, c'est la guérison des blessures du cœur. On a tous le cœur blessé à cause de ce qu'on a vécu dans l'enfance, l'adolescence, à divers moments. Et le cœur, lorsqu'il est blessé, affecte la qualité non seulement de notre humeur, mais de nos pensées aussi. On ne peut pas faire de la pensée positive avec un cœur qui est blessé. Et puis, affecte jusqu'à notre santé. Quand on parle de maladies psychosomatiques, en fait, ce ne sont pas nos pensées qui affectent principalement notre santé, ce sont nos émotions. Et ce sont des émotions qui naissent d'un cœur qui est malade, qui est blessé. Et lorsqu'on arrive à guérir son cœur avec la magie du pardon, mais c'est tout qui change dans notre vie. Ça, c'est des milliers et des milliers de témoignages depuis toutes ces années qui en attestent. Alors, Cathy Simon qui dit « Christelle, quand on nous a fait énormément de mal ». Il y a des personnes qui ont du mal à pardonner, ouais, je comprends. Après, c'est pardonner. Il faut apprendre à pardonner l'autre, mais nous, par exemple, quand on va parler de ce qui nous est arrivé ou de la manière dont on va le dire, donc dont on va le vivre, finalement, il faut aussi apprendre à ne pas à se pardonner de ressasser tout ça et de... Je sais pas comment dire, c'est comme si on créait un égrégore face à une personne, alors qu'on lui veut pas forcément du mal, on parle juste des gens, de ce qui nous est arrivé, mais finalement, je sais pas, c'est comme si... Pour ça, c'est un sujet très vaste, j'ai juste envie de dire à ceux et celles qui nous écoutent, j'ai plusieurs vidéos qui traitent de ça, il y a des conférences que j'ai données là-dessus, tout ça est gratuit sur YouTube, en livre, j'ai 3 livres, il y a Le don du pardon qui est sorti en 2010, il y a J'arrête de juger chez Erol, parce que c'est très complémentaire comment je juge et je pardonne, et puis il y a Peut-on tout pardonner qui vient de sortir en poche,
Et là, vraiment, pour les gens qui ont envie de cheminer là-dessus, il y a des clés, il y a des clés extraordinaires. Et voilà, et celles qui ont envie de sortir de ça, de sortir du rancœur, du ressentiment, de ces sentiments qui sont toxiques pour nous, qui nous font du mal et nous détruisent, franchement, vous avez toutes les clés là-dedans. Voilà, donc déjà vous pardonnez et aussi, en parallèle, rien ne vous empêche justement de mettre la magie au quotidien dans votre vie grâce à ce dernier opus C'est de même de la magie dans notre vie. Il y en a qui font autre chose, on ne va pas le citer, parce que je crois que ça a été breveté, mais nous, on met de la magie dans notre vie. Hein. Voilà. C'est ça. On a mieux. Hein. Et puis, il y avait un passage aussi, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait penser un peu à de la magie, le passage du fameux moment où on conduit ce filet qu'on va laisser, en fait, cette trace qu'on va laisser. Si tu peux raconter ça un petit peu, parce que moi, j'ai adoré, ça faisait vraiment un peu magie, où ça mettait aussi de l'énergie, de la... C'est laisser une trace, je sais pas comment dire. Oui. Ben, c'est vrai que y a certains d'entre nous qui se retrouvent à faire quand même pas mal de kilomètres en voiture, en camion, pour le travail, pour d'autres choses. Et alors, d'une part, ben, je parle de comment assurer sa sécurité, quelles sont les prières, quelles sont les choses qu'on peut faire pour mettre ce moment de conduite sous une protection plus grande que soi. Et puis surtout, j'ai souvent imaginé, et je le fais maintenant tout le temps quand je conduis, de me dire. Alors, on fait des longs trajets. Vous avez déjà vu des photos, par exemple, prises la nuit ou avec une longue exposition, puis on voit les traînées comme ça, des phares. Et je me suis dit, mais nous aussi, on peut laisser une trace de lumière. On peut se dire, sur ce trajet que je fais, je vais laisser se dérouler derrière moi comme un fil de lumière. Et les autres personnes qui vont croiser ma route ou qui vont passer au même endroit vont bénéficier de cette présence. Je pense qu'on ne se rend pas compte pour l'instant, la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte à quel point nous laissons des traces partout où nous passons. Et on a le choix de laisser ces traces-là en conscience et de laisser les traces les plus lumineuses qui soient. Et ces longs trajets ou courts, pourquoi pas, de voitures que nous faisons sont l'occasion de se dire, ben, sur le chemin que j'ai fait, je déroule un filament de lumière qui fera du bien aux autres. Waouh, c'est simple, ça fait travailler l'imagination et comme la pensée est créatrice, bah, c'est facile à faire. Hein. Tout le monde peut le faire vraiment Voilà. en conscience. C'est fabuleux. Voilà. C'était ce petit passage où Ça m'a moi plu, ouais. j'ai imaginé, ben, comme ces photos justement où on voit les phares, les traînées de phares, mais je sais pas, je me suis dit, même en marchant finalement, on laisse aussi notre trace, on laisse tout ça. Où, voilà, D'accord. je trouve ça important de. Les effluves énergétiques qui nous sont propres, mais de manière positive et avec une bienveillance que l'on peut tous avoir. Ben, il Oui, faut. d'ailleurs, les gens qui font le pèlerinage de Compostelle, hein, ils le disent souvent que le fait que ce chemin ait été emprunté par des milliers, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui ont arpenté ce chemin avant eux, qui ont laissé des traces, ben, on rentre dans un sillon énergétique et on bénéficie finalement de ces traces qui ont été laissées dans le plan subtil par ceux qui nous ont précédés. Voilà, en tout cas, je te remercie, Olivier, d'avoir participé en tout cas à cette émission, de nous avoir parlé de cet opus. Enfin, je dis toujours les, j'ai envie de le dire parce qu'il est au pluriel, je ne peux pas m'en empêcher, mais c'est magicien du quotidien, c'est pas plus mal, c'est plus court, et ça rentre plus rapidement dans votre tête. Voilà, magicien du quotidien au pluriel, vous l'êtes tous, et vous pouvez l'avoir. Et comme l'a dit tout à l'heure, je retiens bien cette information que tu as dit tout à l'heure, et c'est très très important. Un sorcier va perdre sa baguette, là, en tant que magicien, elle est à l'intérieur de vous, et personne ne peut vous l'appliquer. Et tu as bien fait le préciser, en Oui, tout puis cas. après, il y a aussi l'importance des mots. Oui. Ça passe Oui. aussi par la. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué finalement, Mmh. mais ça passe aussi par la voix ou. Même, bah, je pensais à la communication non violente, mais. Ou au premier accord toltèque, Tout que à ta fait. parole soit impeccable. Miguel disait que rien qu'avec cet accord-là, on pouvait changer complètement sa vie, et je pense qu'on ne mesure pas à quel point la parole est sacrée, la parole est créatrice, la parole est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et si on met de la conscience là-dedans, si on fait le choix de faire de sa bouche, de sa voix, le prolongement de son cœur, de son âme, du meilleur de soi, mais on peut vraiment littéralement transformer sa vie juste avec cette clé-là, avec ce verbe-là. Voilà, donc là, ce verbe impeccable, cette parole impeccable, vous pouvez l'avoir aussi au quotidien avec beaucoup de vocabulaire à l'intérieur en termes de rituel, en termes de, voilà, de mantra que l'on peut réciter pour transformer son quotidien de manière
majestueuse, en magie, etc. Voilà, c'est ce qui se passe. Réenchanter votre quotidien grâce aux routines spirituelles. Fabuleux, fabuleux. Merci à toi, Olivier. Et merci voilà, à vous deux, Didier, Christelle, super. Merci. On va se laisser là-dessus et devenez votre propre magicien avec votre propre baguette interne. Puis créez votre routine à partir de tous les verbes qui est donné. Voilà, vous avez toutes les clés avec vous. Et en plus, je crois qu'il y a le site qui complète vraiment ça. Voilà, donc, ça, c'est juste fabuleux d'avoir un site dédié. Ça, c'est formidable. En général, ce sont les films en gros blockbuster qui le font. Mais là, c'est pour un livre. Et c'est superbe voilà, de l'avoir. Merci à toi, Olivier. Et on vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée pleine de magie dans votre quotidien aussi grâce au